accueillir M. Pierre Denys, président de l'université. Voilà. Je lui laisse la parole. Oui, bonsoir. Excusez-moi, c'est pas habituel de faire un accueil après que l'événement soit commencé. Bon, il y a des problèmes de coordination et d'emploi du temps. Alors, c'est un grand plaisir pour moi de vous accueillir ce soir pour cet événement organisé grâce à la coordination du LASLA, de l'UFR d'Humanité Sciences Sociales, de Service Commun de la Documentation et puis, bien entendu, la Maison de la Culture. Donc, événement qui s'inscrit dans la 20e édition du Printemps des Poètes. Alors, si on n'a pas de printemps, malheureusement, des poètes, on en a. Et je remercie Sophie Brassard de nous faire à la fois la joie et le bonheur de nous avoir fait partager cette fresque hein, donc, qui représente une vingtaine de visages de poètes, dont 6 sont présents ici. Voilà, donc dans cette toute jeune maison de la culture, qui est un peu emblématique de la politique que souhaite mener l'université dans le domaine de la culture, qui est une des missions maintenant de l'université. Hein. Donc la culture, on peut considérer que c'est une connaissance comme les autres, donc il faut la transmettre, mais il faut également la produire. Et puis il faut également être ouvert sur la ville, et à la fois à l'extérieur, laisser venir la ville et la société civile, au sein de notre université. Voilà. Donc je vous remercie Sophie Brassard, les poètes qui nous font l'honneur également d'être peut-être les membres du public également qui liront leurs poèmes en musique. Voilà. Donc je vous souhaite une bonne soirée et je vous remercie encore tous de votre présence.